Bienvenue à tous et à toutes à ces petits As 2016 pour assister à la deuxième demi-finale garçon qui va opposer Stéphane Lustian, tête de série numéro 8 américain, contre Harold Maillot, tête de série numéro 6 France. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc merci de me rejoindre aujourd'hui. Donc je rappelle qu'Olivier Soulet est le responsable à la Fédération de la formation des jeunes et principalement des 15 ans et moins, et en même temps responsable du Centre national de Poitiers, d'où vient Harold Maillot. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Olivier, que Harold a fait le plus dur hier en battant la tête de série numéro 1? Je ne sais pas s'il a fait le plus dur, mais en tout cas, il s'est donné des chances d'aller au bout du tournoi. Là, aujourd'hui, il va jouer un Américain qu'il a joué la semaine dernière, qu'il a réussi à battre en 3-7. Donc, chaque jour est différent. Maintenant, je pense que si Harold est en pleine possession de ses moyens, je pense qu'il a vraiment tout pour pouvoir aller en finale. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on reprend le tableau, il a le même tableau que la semaine dernière à Bolton, où il se retrouve en demi-finale contre un joueur qu'il a battu la semaine dernière, je crois, en quart de finale, pour jouer demain en finale le même joueur qu'il a joué en finale à Bolton. Donc, est-ce qu'en fait, ça peut lui donner de la confiance et en même temps une espèce de pression en se disant « j'ai pas le droit de perdre, j'ai fait le plus dur hier en battant vraiment hier, il a fait un match remarquable sur le meilleur joueur du tournoi, sur ce qu'on a vu, c'est vraiment le meilleur joueur du tournoi, mais maintenant il va falloir gérer, on sait toujours qu'après avoir fait un petit exploit entre guillemets, parce que pour lui c'est pas un exploit dans la mesure où il est à ce niveau-là, mais derrière c'est toujours dur de confirmer et se dire là j'ai pas le droit de perdre quoi. Ben. » Oui, il peut avoir un peu tous ses sentiments un peu mélangés. En sachant qu'ici, ben, par rapport à la semaine dernière, c'est une surface un tout petit peu moins rapide, c'est pas le même rebond. Donc est-ce que ça va avantager ou non son adversaire? Ben, ça, on va le voir dans quelques instants. Mais je pense que c'est des sentiments partagés. Par contre, c'est sûr que dans sa tête, dans un coin de sa tête, il sait qu'il l'a déjà battu. Donc c'est peut-être un petit avantage psychologique. Bon, ben merci Olivier. En tout cas, ce qu'on peut être certain, c'est qu'il va avoir beaucoup de supporters derrière lui. On reçoit beaucoup de messages depuis ce matin, et notamment de la part de son club de supporters qui a été monté dans l'urgence à Poitiers par Carole. Elle se reconnaîtra, Carole qui a monté avec deux personnes autour d'elle, je ne vais pas dire deux jeunes personnes, mais Martin et Thelma, qui ont monté ce fan club. Et dire que tout Poitiers est derrière Harold aujourd'hui, ça on le sait, on a des messages partout. Et je dirais même la Lorraine, parce qu'il a été formé en Lorraine par toute l'équipe technique là-bas, et puis la famille de Lorraine est ici aujourd'hui puisque son papa est là, et j'ai cru comprendre aussi que le conseiller technique régional devait peut-être rejoindre. Mais en tout cas, on salue principalement le club des supporters mené par Carole, qui je pense a regroupé beaucoup de personnes autour d'elle aujourd'hui, et je pense qu'on aura peut-être des messages pendant le match, peut-être qu'elle nous enverra quelques textos pour nous dire comment ils vivent ça du côté de Poitiers. Bah ouais, c'est fort sympathique. En plus, c'est le dernier représentant français dans le tournoi, donc je pense qu'effectivement Dominique, il aura vraiment pas mal de supporters derrière lui. Voilà, ben écoutez, merci, maintenant place au début du match. Three minutes. Two minutes.
Une minute, one minute. Petit As, Tarbes 2016, le mondial Lacoste. Demi-finale, simple garçon, opposant. À gauche de la chaise, Stephen Lustian, États-Unis. À droite de la chaise, Harold Maillot, France. Ce match se déroulera au mur des trois manches, avec Jésive dans toutes les manches. Harold Maillot a gagné le tirage au sort et a choisi de servir. Première manche au service. Tout ce qui se passe autour du cours, il y a le coup, mais tout ce qui se passe autour du cours, si on veut devenir fort, il faut le gérer. On met place au jeu et service à Rold. Un peu tendu peut-être l'entrée à Rold. Ouais, bah pareil pour l'Américain, une grosse faute en revers sur le premier point. Maintenant, c'est vraiment le début du match. Ouais. Oula, très bonne première avec un contre derrière, vraiment. 15-30. Semble très agressif cet Américain. Vous l'avez vu jouer dans la semaine? Je l'ai vu un petit peu sur son deuxième tour, je pense. Et franchement, ouais, dès qu'il va avoir l'occasion, il va essayer de l'agresser, notamment avec son coup droit, je pense, en essayant de décaler un maximum. Oui, très beau point. C'est vraiment très, très intéressant ce point. Là, avec... Dès qu'il a eu l'occasion, il a été vers l'avant. Il n'a pas laissé le joueur s'installer dans l'échange. Et il a pris l'initiative dès qu'il a pu. Il va falloir un comme hier, ça c'est quand même la clé du succès qu'Harold arrive à bien trouver sa longueur de balle pour réussir à faire raccourcir son adversaire et ensuite pouvoir enchaîner vers l'avant et terminer au filet. Bon là il bénéficie d'une faute non provoquée de la part de l'Américain. Belle course, on a vraiment belle anticipation sur cette amorti qui était vraiment très très bien joué.
importance, le premier jeu, parce que déjà de le gagner, mais ensuite il frappe beaucoup de balles, donc pour le mettre en confiance, pour le mettre dans le match, c'était déjà mieux qu'hier, où hier les jeux passaient vite, là, et on se retrouve mené tout de suite sans avoir vraiment joué, alors que là, il y a déjà pas mal d'échanges, et ça c'est intéressant, parce que ça lui permet de rentrer, et puis d'éliminer un peu de tension et d'appréhension. Voilà, avec une faute directe en retour. Et comme vous disiez, vraiment là, on n'a pas l'impression, c'est sûr, il est rentré beaucoup plus vite dans son match. Il n'a pas donné de points par une double faute. Donc, il n'a pas donné de points, il n'a pas vraiment donné de points. Non, pas dans l'échange. L'Américain a donné quelques points et ça, c'est vraiment intéressant pour bien rentrer dans la rencontre là et puis se donner confiance. Finalement. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est lui qui est un petit peu plus tendu là sur ce début de match. Et donc en profiter. En profiter et puis engranger les points si possible. Ah oui, beaucoup droit décroisé. Alors un autre paramètre qui change pour ces jeunes là qui n'ont pas l'habitude aussi, c'est qu'ils jouent avec des ramasseurs de balles. Donc ça change dans le rythme des échanges, tout ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude. Non, ils n'ont pas l'habitude et les points s'enchaînent un peu plus rapidement. Voilà, c'est ça. Cet Américain a des coups vraiment percutants, hein. Il a du déchet, mais la balle va très vite. Hein. On a pu le voir en coup droit le point précédent, là en revers, ça va, elle va vraiment très très vite. Ah, et bonne anticipation de la part d'Harold parce qu'il était vraiment malmené dans l'échange. Par contre, un bon coup d'œil avec un super passing pour terminer l'échange. Parce que l'Américain avait vraiment bien pris l'initiative du jeu et s'est fait contrer, mais c'était bien joué quand même de sa part. Hein. Il défend remarquablement bien. Là, depuis le début du match, il ne donne pas de points. Il force, je dirais. Alors, l'Américain a joué presque le coup de trop. Ouais, là, il est vraiment rentré dans son match très rapidement. Il s'aperçoit quand même que ça va être plutôt du côté du revers que ça va se passer chez l'Américain. Oui, parce qu'en coup droit, ça va très vite. Même si tout à l'heure, il a fait un coup gagnant en longue ligne, il a été très bien joué. Ouais. Il va falloir se méfier, trouver de la longueur sur son coup droit, en tout cas. C'est pas grave. Ça va... Malheureusement, il y aura quand même quelques fautes et donc pas grave. 40 ans. Harold est dans le match, c'est ça le principal par rapport à hier, surtout et à certaines habitudes que nous disait son entraîneur de faire des débuts de match un peu compliqués. Là, en tout cas, il est dedans. Très bien retourné. Pareil, on le disait déjà hier, c'est vraiment un de ses atouts. C'est-à-dire que dès qu'il peut jouer un retour, s'il ne prend pas un ace ou un service gagnant, à chaque fois il arrive à retourner dans le terrain et en plus en qualité. Et ça, c'est quand même
comme on peut le voir en ce moment sur l'Australian Open, c'est vraiment une qualité des meilleurs joueurs mondiaux. Tout à fait. Ouais, c'est une caractéristique du tennis de haut niveau aujourd'hui, le retour. La différence, elle se fait presque le retour parce qu'ils servent tous très bien et c'est la qualité de retour. Je pense qu'il faut que vous arrêtiez de parler de son revers, parce que là, depuis qu'on en a parlé, il nous fait deux revers gagnants le long de la ligne. Ouais. Non, je pense qu'effectivement, c'est peut-être de ce côté-là, c'est des coups un peu miracles. Non, c'est bien joué, ça. Mais s'il arrive à varier un tout petit peu les hauteurs ou les vitesses sur le revers, là, j'attends de voir, à mon avis, il y aura un peu plus de déchets. Voilà, tout à fait, c'est exactement ce que vous veniez de dire. Et là, il faut en profiter, essayer de breaker rapidement pour vraiment se mettre encore plus en confiance. Bien à dire, service au centre, décalage coup droit, on joue sur le revers. Ouais, très bonne première de la part de l'Américain. Chanceur, il se bat bien, mais là il joue un tout petit peu court et l'Américain, on voit, en profite. Hein. À chaque fois, là, il a une balle au milieu du terrain. Il est quand même souvent à la limite quand il fait ses coups d'attaque. Hein. C'est très près des lignes. Ouais, les deux revers avant étaient un petit peu trop gourmand. Ouais. C'est dommage, c'était bien exploité cette deuxième balle. Il a cherché à se décaler, à jouer fort. Maintenant, il a ouvert tout le terrain. C'est-à-dire, quand on décale pour jouer là, il ne faut pas rater, sinon on ouvre tout le terrain. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, s'il décale pour jouer droit devant lui, il faut vraiment qu'il fasse encore plus mal à l'adversaire. Sinon, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a couvert tout son terrain. Il ne faut pas qu'il s'énerve, c'est bien, il est dedans, là, c'est pas grave. Parce qu'il y aura quand même, je pense, pas mal de déchets chez cet Américain qui est brillant, qui peut faire des points, mais qui fait aussi en même temps beaucoup de fautes. Hein. Il donne beaucoup de fautes là, depuis le début. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'il en profite. Hein. Essayer vraiment de breaker directement pour déjà commencer à lui mettre la tête sous l'eau, à créer quelques doutes. Voilà. Par contre, s'il ne joue pas suffisamment en qualité, que l'Américain a le temps de décaler avec son coup droit, là par contre, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Elle va vite en coup droit. Ouais. Elle va vite, elle est lourde, Il a un jeu quand même très complet, cet Américain. Hein. C'est vraiment... Là, depuis hier, on voit vraiment des joueurs d'un... C'est un niveau qui est quand même remarquable. Hein. Ah, un peu de chance. Ben, ça fait partie du jeu. Un peu de chance pour Harold. Ce qui lui permet d'égaliser à 40 ans. L'Américain donne quand même. Il est brillant, il fait des points brillants, mais en même temps, il donne.
Pour le moment, je trouve qu'Harold est quand même plus solide, même si ça ne se concrétise pas, matérialise pas au score. On le sent plus solide dans son jeu de défense. Hein. Il est plus solide pour l'instant, c'est l'Américain qui fait tout le jeu, c'est-à-dire ouais, c'est lui voilà. qui fait les points brillants et c'est lui qui donne aussi. Donc... À cet âge-là, c'est dur de gagner un match en tant que des points de gagnants. C'est pas évident. c'est dur au haut niveau, mais alors là, encore plus dur. Voilà. Très bien. Et comme par hasard, il fait une faute en revers, alors qu'Harold a réussi à trouver vraiment sa longueur, alors que les coups précédents, qui étaient quand même pas mal joués, tombaient aux alentours de la ligne de service. Et là, franchement, ça ne le gênait pas suffisamment. Tout à fait. C'est sur ce dernier coup, il a enroulé un tout petit peu plus son coup droit, trouvé de la longueur. Et comme par hasard, il a réussi à faire louper son adversaire. Oula, un peu de chance, un peu de réussite depuis le début pour Harold. Et ça fait partie du jeu. Pour le moment, tout tourne en sa faveur. Bonne première de la part d'Harold. Voilà, il faut qu'il prenne son temps. Il est un petit peu là, c'est un des points sur lesquels Bruce Lio insiste aussi. Dans ses entraînements et notamment en match, c'est-à-dire prendre le temps entre les points. Harold, c'est un joueur très motivé, mais qui se précipite un petit peu trop, il enchaîne les points un petit peu trop rapidement. Il a beaucoup de déchets quand même, cet Américain. Là, vraiment, ouais, pour l'instant, il donne beaucoup. Si Harold continue à jouer comme il joue là, avec un très bon jeu de défense solide, avec la possibilité, dès qu'il a la possibilité de percuter, ça va être quand même compliqué pour cet Américain qui veut faire que des points gagnants, pratiquement. Ensuite, moi je me méfie, hein. C'est quand même comme hier, un peu le début d'un match. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec vous, hein. Si Harold continue à garder un niveau comme ça, ça ne va pas être facile pour son adversaire. On le voit rarement baisser de 42 kg quand même, il ne fait pas des chutes. Hier, apparemment, il a mal commencé, mais après, il a maintenu un certain niveau et qui a permis d'ailleurs de revenir et de gagner. Là, il force un peu, peut-être. Là, il s'emballe un peu. Là, il doit se sentir en confiance et un peu dominer le match. Et il force un petit peu. C'est-à-dire que sur la dernière frappe, il se précipite un peu. Et en fait, il veut tout donner avec le haut du corps. Alors qu'il s'arrête un petit peu trop. Il n'y a pas de transfert suffisamment vers l'avant. C'est pour ça qu'il commet une erreur. C'est gentil de la part de l'Américain, hein, parce que là, la mortie, elle était vraiment pas bien réussie. Et bon, ça se prend, 3-0. Alors, Olivier, c'est quand même un bon début de la part d'Harold. 3-0, les messages affluent de toutes parts, et notamment de Poitiers, où tout le fan club donc, continue à être devant son écran. On n'a pas de nouvelles du club des supporters. Le club des supporters, j'espère qu'il ne s'est pas endormi, mais... Le club de Carole, là, ne se manifeste pas beaucoup. Par contre, on a des joueurs de haut niveau, dont un de Loudun, Sébastien Talon, qui nous envoie des messages et qui suit ce match avec attention. Et puis le staff médical avec le médecin de votre centre, là, Vincent Guillard, qui suit ça avec assiduité, avec votre ami Jean-Baptiste Dupuis. Je crois qu'ils suivent le match. Ils ont fait leur entraînement physique et maintenant ils suivent le match, d'après ce que j'ai cru comprendre dans leur message. Qu'on peut leur souhaiter un bon match avec nous et j'espère qu'ils vont l'encourager et transmettre les bonnes ondes.
au service Lostian, qui se retrouve d'entrée là vraiment le dos au mur sur ce premier set. Hein. Là, pour lui, maintenant, il n'y a plus beaucoup d'issue. Hein. Il va falloir revenir très rapidement, sinon c'est le set qui va s'envoler. Belle attaque de revers. C'est vrai qu'en revers, il donne des points, mais en même temps, il a fait aussi de très beaux points. C'est peut-être le troisième revers le long de la ligne gagnant qu'il fait. C'est dommage, un peu de chance. Ça tourne. Là, c'est l'Américain, mais c'était vraiment joué de la part d'Harold avec beaucoup d'agressivité dès le retour, ce qui lui a permis de se procurer une balle un peu plus courte et d'attaquer et d'aller au filet. Et c'est vraiment dommage là, parce que c'était très très bien joué, c'est pas récompensé. Bon, il a eu un peu de chance sur certains points, donc c'est peut-être au tour de l'Américain, ça s'équilibre. Voilà, ça c'est parfait. Hein. C'est vraiment une de ses forces, un retour. Long au centre. Volant au centre qui oblige son adversaire à se dégager dès la première frappe de balle. C'est un coup de haut niveau, c'est ce qu'on peut voir avec, avec Novak Djokovic. Tout à fait. Et Andy Murray. Alors il y a un deuxième fan club qui nous envoie des messages là, et là c'est Hippo qui a créé son fan club, qui donc est devant son écran et manifeste tous ses encouragements à Harold. Harold a beaucoup de supporters. Hein. Merci Hippo pour ton soutien en tout cas. Une attaque parfaite de la part d'Harold. Hein. Vraiment, ce qui est vraiment important sur ce coup-là, c'est qu'il l'emmène avec ses jambes, il force pas trop avec le haut de son corps. Et par contre, la balle avance très très vite, sans forcer en haut. Ça c'est important ce que vous dites, et que si tous les jeunes qui nous écoutent peuvent retenir ça, parce qu'ils ont tendance à vouloir toujours frapper avec le bras, comme on l'avait dit, sans forcer en haut avec les jambes, pour jouer vite. Voilà, et accompagner la balle. Voilà, c'est très très bien joué, très bien joué. Ah, il n'y a rien à dire, c'est très très bien joué. C'est vraiment du très haut niveau hein, là, parce que très bien sur ce point. Et ben, ça joue bien. Vraiment, ça joue très très bien. Hein. C'est-à-dire que la qualité d'Harold aujourd'hui, c'est de forcer l'Américain à élever son niveau de jeu et à faire des points comme ça. Et heureusement pour Harold, en tout cas, j'espère, il ne pourra pas faire ça tout le match. Mais il le force à jouer à un niveau incroyable. C'est vraiment incroyable le niveau que l'on peut voir sur ce match. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Enfin, c'est pas grave, c'est Harold 3-1, Harold qui sert. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en tout cas pour le moment. Vraiment, Harold est dans le match et joue remarquablement bien. Je rassure ses supporters, il ne faut pas s'inquiéter. «
Intéressant ce qu'il a voulu faire là. Ouais, c'est un service volé. Service volé sur le coup droit avec une première bien précise qui va peut-être pas extrêmement vite, mais par contre, c'est avec la précision de sa zone qu'il atteint qu'il a réussi à faire le point. 30-0. Bien servi, ça s'est servi au corps et tout. C'est vraiment un service qui est très dur à retourner. Si on est un peu négligent sur les jambes, ce qui a été le cas de l'Américain, ben, on se retrouve vraiment tout de suite en difficulté pour retourner. C'est ce qu'on leur demande à cet âge-là. C'est-à-dire, bien sûr qu'ils ne vont pas servir à 200 km/h, mais d'être capable de servir tous les effets, de varier les zones. Là, on voit que sur trois services, il sert une fois extérieur, un ace l'a ôté, une fois sur le corps. Ouais, c'est vraiment remarquablement bien servi parce que Harold, il ne mesure pas 1m90. Hein, donc c'est quand 95, même... je pense. Voilà. Ça demande une avec la casquette. Voilà. Ça demande une technique exemplaire pour arriver à réaliser ça. Hein. C'est vraiment, vraiment très bien. Encore une bonne première balle. Une faute directe, c'est un petit cadeau ça. Hein. Vraiment. Très très bon jeu. Hein. C'est un jeu qui dure pas longtemps. Il a passé 75% de première balle et là une seconde balle qui a servi à. Je vois pas la vitesse, mais pas loin de 180 km/h sur une seconde. C'est pas mal. Les encouragements continuent sur. Les fan clubs se montent un par un. Là, hein. Le fan club Sébastien Talon. Avec le personnel du Crêpes de Poitiers, c'est monté. On a le fan... Il y en a un qui dort un petit peu, c'est le fan club de Carole. Là. On ne sait pas du tout ce qu'il devient. Mais sinon, Hippo est toujours présent. Et donc, tout le monde est toujours derrière Harold, 4-1. On espère que ça va durer, qu'ils vont l'encourager jusqu'à la fin de ce match, parce que le match est loin d'être terminé, même s'il mène 4-1. Est-ce qu'on a un club de supporters Jean-Baptiste Dupuis ou non? Ben, Jean-Baptiste Dupuis, après ce que j'ai compris, ouais. Puisque vous vous intéressez à lui, j'ai cru comprendre qu'il était parti faire son entraînement physique avant le match et qu'ils étaient plutôt prêts d'appeler le SAMU que de lui permettre de regarder le match. Alors je suis un peu inquiet s'il nous entend, qu'il puisse nous rassurer sur son état physique. Ah, Guillaume se manifeste aussi. On ne l'avait plus entendu depuis hier et Guillaume est revenu aux affaires. Va vite ce coup droit. Ah, le coup droit qui va vite, qui est bien lourd. Allez Harold, il faut pas que les jeux défilent rapidement pour ne pas remettre en confiance cet Américain. Donc il ne faut pas le laisser gagner son service facilement. Qu'il sente qu'il n'a pas beaucoup d'issue pour ce match. C'est le quatrième revers le long de la ligne comme ça, même s'il a fait beaucoup de fautes. C'est un coup quand même où il est assez percutant. Hein. Oui. Non, c'est bien joué. Mais pour l'instant, c'est le ratio revers gagnant, revers faute, tout à fait. Il est en faveur d'Harold quand même. Il fait quand même pour l'instant un peu plus de faute. L'Américain remporte son service assez facilement. On peut dire que l'Américain a été touché, mais pas coulé. Hein. Il est quand même là. Hein. Non, c'est pareil, c'est un point important maintenant à ces âges-là qu'il faut travailler et commencer à vraiment essayer de travailler la gestion des moments importants. Que les jeux défilent pas trop vite, ne pas laisser passer trop d'occasions sur les différentes balles de break qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui est important, qui doit déjà commencer vraiment à être géré. Hein. Ouais, attention, oui, parce qu'il ne faut pas perdre. Il n'a qu'un service d'avance, qu'un break, et il ne faut vraiment pas le perdre là, hein, parce que l'Américain est revenu dans la partie et il y croit. Quoi. Maintenant,
ce set, il a pu envisager de le perdre facilement, mais là, il est revenu dans la course pour ce set. Hein. Ouais, il fait beaucoup de fautes, là, tout d'un coup, là. Faut pas qu'il s'énerve, par contre. Le public est là, hein. Le public est présent. Et le public va le soutenir. Il s'agace un peu trop, là, alors qu'il mène 4-2, même si ça fait 0-30. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué de la part d'Harold qui arrive à écarter son adversaire. Par contre, ça, c'est une faute qu'on voit encore trop souvent de la part de l'Américain. C'est-à-dire que la balle qui tente long de ligne, alors qu'il est vraiment en difficulté. Oui, il n'a aucune chance. Bah, il a vraiment si très, très peu de chance de la mettre dedans. Il la mettra une fois sur 10, une fois sur 20. Alors que l'humilité et la sagesse, ce serait de la remettre dans la diagonale et de continuer l'échange. Bonne première encore d'Harold. C'est un peu normal qu'ils aient pas la sagesse à ce stade-là encore. Bon, des fois, même plus tard, on l'a pas. Alors. Ouais, mais nous, en tant qu'entraîneur, on est toujours un peu pressé. Hein. Bien sûr. Mais bon, il faut qu'ils gardent un peu cette insouciance et qu'il leur permet de tenter un peu. Maintenant, là, je comprends ce que vous dites. C'est faux, en plus, tactiquement. Quoi. C'est ça qui est plus gênant. Il le gêne beaucoup avec ce revers le long de la ligne, là. Hein. 30-40. Mayomène 4, Joseph. Oui, l'Américain est revenu, là. Il va falloir se bagarrer pour le gagner, cette. Sinon, on a pu penser à un moment que... ça allait être facile sur ce premier set, ben, l'Américain il est là. Alors je vous rassure, Jean-Baptiste Dupuis n'est pas dans le SAMU. Il aurait repris ses affaires, mais il a quelques séquelles. Alors c'est un bulletin médical. Et donc il est en train de se réhydrater en buvant du thé. Mais comme c'est la première fois de sa vie qu'il voit, on me signale du thé. Il va falloir aller le chercher ce set. Hein. Personnellement, je me suis peut-être un peu emballé. J'ai cru que le set était joué. Mais il va falloir aller le chercher. L'Américain, il est là. Et il a un jeu qui est vraiment... Il a du déchet, mais il est quand même très percutant. Et il va falloir aller lui reprendre prendre le service maintenant. Ah, c'était bien joué, prendre l'initiative, c'est un peu trop risqué. Qu'ils prennent de la marge, quoi, parce que la balle, même à 1 mètre dedans, elle est gagnante pareil. Mais par contre, il a raison, les intentions sont bonnes. Bien sûr, c'est vraiment très bien joué. Par contre, attention, hein, depuis 2-3 jeux, il donne un petit peu trop. Ah, c'est bien contré. Ça, il le fait souvent, hein. Il contre vraiment bien, il a un jeu. C'est pas de la défense, c'est de la contre-attaque. Vraiment, il le fait très très bien, mais et souvent. C'est une grande force de sa part de passer de ce stade-là à un stade de contre-attaque où il est un peu pris, même un stade d'attaque. Hein. C'est vraiment un joueur qui est intéressant dans tous ces domaines-là. C'est bien servi. Hein. Ce slice croisé là, qui l'a surpris. Ça y est, le fan club de Poitiers de Carole s'est réveillé. Oui, s'est réveillé. Il a fait une petite sieste. On dit qu'il faut faire des micro-siestes. Donc il a fait une micro-sieste pour récupérer. Très bon retour une fois de plus. Le fan club est là. 30 ans. Mais il est surtout alimenté par Thelma et Martin.
30 ans. Ah, c'est bien joué, c'est sa deuxième balle de prendre le filet là. Sur ce jeu, ce trois fois de suite, même s'il a loupé son premier retour, il lui met la pression exact. Sur des secondes sur les... balles qui sont un petit peu courtes. Maintenant, voilà, on parlait tout à l'heure de gestion de points importants. Voilà, il a l'occasion de reprendre le service de son adversaire. Allez, il faut aller la chercher, là aussi, il ne faut pas attendre, il faut y aller. Voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà. Voilà, c'est vraiment très très bien joué. C'est vraiment très très bien joué. C'est remarquable ce qu'il a fait. Ah, il lui a mis, sur tout le jeu, il lui a mis la pression. Hein. Maillot mène 5 jeux à 3. Allez, maintenant passer des premières, prendre son temps entre les points, gérer cette avance et jouer point par point. C'est quand même beaucoup de maturité là, ce qu'il vient de faire. Hein. C'est vraiment une qualité de joueur hors pair. Hein. En plus, dans ces moments un petit peu chauds, toujours là, on vient de le voir qui s'encourageait. C'est quelque chose qui est vraiment important. C'était bien joué cette première balle un peu bombée qui lui permet d'avoir une balle courte. Il est peut-être rentré un peu tard. Un petit peu tard, exactement, Dominique. Donc la balle, finalement, il n'a pas eu au bon endroit pour la frapper. Elle est montée un petit peu plus haute que prévu. C'est bien joué. Les intentions sont vraiment très bonnes. C'est ça qui est intéressant. Oh là ! Pas très bien touché de la part d'Américain, là. Et puis souvent ces balles-là, pour alors là c'est pareil, c'est leur expliquer que ces balles-là, vaut mieux les jouer droit devant soi parce qu'on a déjà bloqué l'angle, alors que là s'il ne fait pas un coup gagnant en jouant croisé, moi bon, c'est de la géométrie de terrain, hein, mais c'est important. Encore une bonne première de la part d'Harold. Ben, deux balles de 7, on a eu un petit peu peur à 4-3. Et finalement, Harold a rétabli les choses et on a deux balles de 7, deux balles de premier set. Voilà, normal. Très bien. C'est normal, Harold a fait encore une défense très très longue, ce qui a fait que l'Américain a voulu forcer son coup, et ce qui lui permet vraiment de gagner le premier set. Bon, mais les fan clubs doivent être contents, hein. Le fan club Martin là, doit être très content, le fan club d'Hippo aussi, donc tout va bien, Harold a gagné peut-être. Mais alors, je suis en train de regarder le tableau de Bolton et je me rends compte qu'à Bolton, il avait battu ce même Américain en quart de finale en gagnant le premier set 6-4, mais il avait perdu 6-0 au second. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se relâcher, que l'Américain va être présent dès le début et ne va pas laisser tomber comme ça. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire, Dominique, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il reste constant sur et bien sérieux, rigoureux sur le début du second pour lui montrer que ben, il n'aura pas de temps mort, il ne va pas fléchir et qu'il sera à la bagarre dès le début. Alors je crois comprendre qu'il y a une défection dans les fan clubs. Le fan club Thelma Martin est très actif, le fan club Carole a un peu de difficulté en ce début d'après-midi. Donc on me signale qu'il est un peu à l'heure de la sieste et c'est pas facile pour lui, ce fan club. Par contre, le fan club Talent aussi, on n'a plus beaucoup de nouvelles. Mais enfin, c'est pas grave, l'important c'est Harold sur le terrain, 6-3, service à l'Américain. Et ben, un petit break d'entrée, ça serait bien. Voilà. Ce serait parfait. C'est le scénario vraiment idéal. Voilà. Merci, s'il vous plaît. C'est bien servi.
quand même des jeunes là depuis ce matin que je vois les matchs ou depuis hier qui ont vraiment une technique dans tous les domaines du jeu qui est vraiment, c'est vraiment du haut niveau, quoi, du très haut niveau en miniature. Hein, impression de voir les matchs qu'on voit à la télé à l'Open d'Australie. Hein. C'est vraiment de. Alors bien sûr, il y a du déchet comme sur ce coup droit là, mais on voit la qualité technique au service de cet Américain, la qualité de contre d'Harold, de prise en charge quand il va au filet, de service, enfin c'est remarquable. Hein. J'espère que nos téléspectateurs arrivent à bien voir et à avoir une qualité d'image. Voilà. Ils sont en formation. Alors déjà, exactement. En formation, ce qui va occasionner, oui, encore quelques déchets, voire des erreurs de schéma tactique. Mais par contre, le niveau de jeu qu'ils arrivent à nous proposer ici, c'est vraiment impressionnant. C'est un peu précipité là, c'est un peu bizarre cette faute là, on n'a pas eu l'habitude de le voir faire beaucoup de fautes comme ça, c'est un peu précipité. Ah, il faut pas donner ce genre de points là, c'est pas très bien joué cet amorti. Hein. Mais c'est ce qu'on disait, début de set, serré de jeu, et puis là il se retrouve à 15 secondes sur service de l'Américain, un coup droit qui lui échappe de 3 mètres dehors, c'est une amortie qui n'a pas lieu d'être, et le résultat c'est l'Américain qui récupère une balle de jeu. Ouais, comme vous l'avez dit, l'amorti vraiment... c'est un coup d'attaque, vous l'avez dit hier, c'est un coup d'attaque, alors là on a l'impression qu'il s'est débarrassé de la balle. Ouais, il aurait pu... vraiment l'enfoncer encore plus sous l'eau. Par contre, ça c'est parfait. Oh, c'est vraiment bien joué, vraiment très très bien joué. Il est là, l'Américain, hein. Il est là et il ne va pas lâcher. Hein. Ah, c'est bien servi. Allez, c'est pas le moment de lâcher, là. Dès le début de ce deuxième, là, il faut vraiment être très présent parce que, comme on peut voir le score de Bolton, l'Américain, il va y être. Hein. Là, il y a des messages sans arrêt de le fan club de Talon qui conseille vraiment qu'il faut être solide et qu'il ne faut pas lâcher au deuxième parce que je crois que c'est son point faible. Lui, c'est un joueur de haut niveau là, que j'ai vu jouer plusieurs fois, qui a tendance dès le deuxième set à se relâcher. Donc, quelques soucis voilà, au niveau de l'attitude et du mental. Voilà. Allez, Harold. Oh, c'est bien. C'est très bien joué. 15-0. Ça fait du bien là parce que ce début de set, de deuxième set est important dans la mesure où l'Américain bah, il sait que c'est la dernière cartouche quelque part, hein. C'est maintenant qu'il faut qu'il y aille, il ne peut pas se permettre de perdre 2-3 jeux d'affilée là. Donc
des points comme ça, ça fait du bien à Harold et ça me permet de dominer sur son service et de recoller le plus rapidement possible au score. Voilà. 40-0. Cet Américain est brillant, mais il donne quand même beaucoup de points hein, dans des situations où deux points d'affilée. Son jeu n'est pas encore stabilisé. Non. On sent qu'il a du potentiel pour le futur, mais là, pour le moment, ça donne un tout petit peu trop encore. Voilà, il a pris beaucoup de risques sur cette deuxième balle. Là, bon, il mène 40-0, d'accord, mais c'est un peu enflammé là, sur cette deuxième balle. Hein. Ça, par contre, c'est très bien servi. Très, très bien servi. Un partout. Une fois de plus, la précision hein, qui prédomine par rapport à la vitesse. Ça, c'est l'équivalent d'un ace, en fait. Hein. Service gagnant, même si son adversaire touche la balle, c'est la même chose. Allez, Rod. Philippe, premier service. Un peu long, mais c'est dommage, t'es bien retourné, hein, c'est ça, long, il est un peu près de la balle. Bon, il va bien, malheureusement, il va faire quelques fautes quand même, hein, il ne peut pas tout réussir. Mais là... C'est bien joué, c'est vraiment bien joué. C'est remarquable de voir la façon dont il passe d'une situation de pénètre, une situation de défense où il est un peu acculé, sa contre-attaque pour passer une situation d'attaque. Ça, vraiment, il le fait très très bien. Il y a des joueurs qui se cantonnent dans un jeu, lui, il varie constamment. Il varie énormément. Et là, vraiment, avec ses changements de rythme d'un seul coup, ça déstabilise vraiment son adversaire. Encore une fois, là, il a réussi à renverser. Ah, c'est dommage, il avait réussi à renverser la situation dans l'échange. Et là, par contre, c'est un mauvais choix. Parce qu'il avait les deux pieds dans le terrain, dans le bleu. Et je pense qu'il a tendu un petit peu trop la balle. Là, il a l'ouverture pour monter long de ligne. Là, il essaye de faire un coup droit croisé. Bon, c'est un mauvais choix, tant pis. 30-15 pour l'Américain. Pas qu'il s'énerve là il est en il s'énerve et il mène, il n'y a pas le feu au lac comme on dit, pas la peine de s'énerver, qu'il arrive à se maîtriser là, c'est important dans ce début de deuxième set. Ça c'est bien retourné. Quand l'Américain est bien installé, il a une balle vraiment qui fait mal. Hein. Un coup droit, là, quand il s'installe bien, là, il commence à diriger le jeu. Ouais, il a des appuis vraiment bien prononcés sur son coup droit. Ce qu'on appelle un bon ancrage, ce qui lui permet de transférer. En plus, il a une action de l'avant-bras et de la main qui font que la balle tourne énormément. Elle est vraiment lourde, elle est rapide et lourde. Je crois que cet aspect technique que vous soulignez est important, là, cet ancrage est important. Tous les jeunes qui nous écoutent doivent penser à ça, que quand on a le temps de s'installer, il faut le faire au maximum et avoir des appuis solides au sol qui vont donner précision et puissance. On a pu voir l'Open d'Australie et Jean-Paul Lotte qui commentait sur Eurosport le soulignait fréquemment sur les appuis que pouvait avoir Djokovic ou un Federer ou un Murray et comment ils s'installaient pour frapper fort et précis. Sur les 10 premiers joueurs mondiaux actuels, 8 sont passés aux petits as. Les petits as, le tournoi qui découvre les stars de demain.
Ne manquez pas les futurs Djokovic, Nadal ou Federer. Tournoi des petits as, dimanche, 18h, sur l'équipe 21. C'est solide, ça c'est très bien joué, il y a beaucoup de marge de sécurité, là il joue, c'est un très bon point. Ah ben là il s'est retrouvé tout seul en difficulté, là vraiment c'est... Là ce coup-là ça manque vraiment d'humilité, voilà, ça c'est la jeunesse. Mais ça peut lui coûter cher, alors que là-dessus, ou une volée liftée ou un bon coup droit. Oui, tout à fait. Voilà. 15-30. Après, par contre, Harold, non, tu ne peux pas te plaindre. Et là, il est en train de se lamenter. Ça fait plusieurs fois qu'il se lamente, alors qu'il n'y a pas, de raison. Il faut accepter aussi que son adversaire puisse faire des points. Mais je ne vois pas pourquoi. Voilà, il s'énerve là. Et là, il est en train de s'énerver et de manquer totalement de lucidité, comme vous dites, d'humilité. Allez. Alors là, ça va être cette première balle de 3-1. Il faut sauver la deuxième, là. Allez, une bonne première. Bien placée. Comme il l'a fait souvent depuis le début. Bien servi. Ah ! Allez, il se reprend tout de suite. Là, c'est un mauvais passage. Il est nerveux. Alors qu'il n'y a aucune raison. Il n'y avait aucune raison de s'énerver. On pourrait intituler ça « Comment faire revenir son adversaire dans la partie alors qu'on l'a dominé largement ?» Exactement. Parce qu'attention, l'Américain, il est capable de faire mal. Il est moins régulier qu'Harold, certes. Mais par contre, si on le met en confiance, ça peut être dangereux pour un éventuel troisième set. Parce que là, ça y est, Harold est reparti dans ses travers, à essayer de jouer trop vite, à donner trop de points. Il va falloir qu'il se reprenne rapidement, sinon on va tout droit vers un troisième set. Oui, effectivement. Mais enfin, le set n'est pas joué encore. Il peut revenir. Il faut qu'il se reprenne. Rien n'est joué dans ce set. Voilà, ça c'est bien retourné. Voilà, l'Américain aussi quand même va avoir du déchet, il ne va pas faire que des points gagnants. Très bonne première balle. Là, il se précipite peut-être un petit peu sans lui faire mal, comme ça. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Là, il manque de lucidité. Il a une attitude qui n'est pas bonne du tout. Là. Il joue des coups, il n'est plus dans son match. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé à Bolton? Parce qu'à Bolton, on a vu un 6-0. Voilà, et là, c'est un peu dans le même sens. Là, il regarde à côté, il regarde son entraîneur, il s'énerve. Il joue avec le feu. Oui. Je me voilà, alors là, il fait des réflexions. Non, là, il est, comme vous dites, il n'est pas là.
Alors, on parle beaucoup du Centre national de Poitiers où s'entraînent ces jeunes, mais il faut savoir que le Centre national de Poitiers est situé quand même à côté de Poitiers, sur la commune de Vouneuil-sous-Biard. C'est ça, hein ? Tout à fait, oui. C'est ça, parce que quelques messages là du club de Vouneuil-sous-Biard. Et c'est une commune très dynamique et vraiment qui a des installations remarquables, puisque le crêpe de Poitiers fait partie des plus beaux crêpes en France. Et il est situé à quelques kilomètres de Poitiers, donc sur la commune de Vouneuil-sous-Biard. Reprise. Allez, Harold. Allez, Harold, il est reparti, là, sur son service. Il faut absolument qu'il gagne son service. C'est très bien d'avoir été chercher ce point au filet. Allez, il faut se reprendre. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est important là, ce jeu est très très important. Hein. Vraiment, 30 ans. Ouais, s'il perd le jeu à mon avis, c'est... Je ne veux pas dire qu'il y a une grosse différence entre 5-1 et 4-2, mais c'est quand même... Ce jeu pour moi est déterminant dans le set là. Si... Voilà, ça c'est bien. Allez. Voilà, voilà. C'est vraiment très très bien joué. C'est... 40-30. Il va se calmer là, il a une période où il s'est excité, là je pense qu'il va se calmer. Allez, il faut faire ce jeu et il faudra aussi que l'Américain gère son service jusqu'au bout. Hein. C'est ce qu'il n'a pas montré quand même pour le moment, hein. D'être capable de le faire. Hein. À deux, mais c'est bien, il a remporté son service, il nous a fait un petit peu peur, mais bon, remporte son service et maintenant, il faudra que l'Américain tienne sur le sien. Ah, c'est bien joué. Beaucoup droit de l'Américain, bon, qui est peut-être un peu litigieux, mais c'est pas facile de dire d'où on est. On la voit bonne, mais... Oh, c'est bien. Ah, remarquable, remarquable, remarquable demi-volée. Quinze ans.
75. Harold est assez nerveux parce que ça fait deux fois là où bon, il conteste un peu les décisions arbitrales et je crois qu'il faut, voilà, il faut qu'il se calme parce que de toute façon ça ne changera rien et les jeux vont défiler, les points vont défiler et l'Américain lui va pas s'embarrasser de quoi que ce soit, il va continuer son jeu. Et le serve 5-2, eh ben, Harold il est de dos au mur, là, dos au mur sur son service déjà, il faut absolument qu'il remporte son service. C'est, il faut absolument qu'il se calme, qu'il retrouve sa lucidité. Je pense qu'il a tout pour remporter ce match face à cet Américain, il a un jeu qui me paraît plus mature, plus complet. Et malheureusement, là, il s'énerve sur des petits détails qui font qu'il perd sa lucidité. Oui, tout à fait. Et en fait, il est là, pour l'instant, il joue des coups, il est dans l'énervement, il est dans le jugement. Il a oublié qu'il était joueur et pas arbitre, même s'il doit, s'il ne voit pas la même chose que l'arbitre, il peut très bien lui signifier. Mais bon, on sent que ça le pèse trop. Et à un moment donné, il n'est plus du tout dans le match. Tout dans le match. Donc. Bon, le set n'est pas encore fini, mais là, il faut vraiment pour moi être vigilant parce que, avec le coup droit qu'il a, l'Américain, je pense que ça peut être dangereux. Il faut tout de suite qu'il se remette dedans, qu'il se calme et qu'il joue point par point. Les supporters nous rappellent le score à Bolton où il avait perdu le deuxième set pour gagner très facilement le troisième. Donc espérons déjà qu'il ne perde pas le deuxième set. Et là c'est une période un peu difficile. 0-15. Vraiment qu'ils se reprennent là. Bon retour de l'Américain qui est en pleine confiance là actuellement. Et en plus il sent que son adversaire s'énerve, que son adversaire devient fébrile. Et c'est sûr que ça aide pour la confiance quand vous êtes en face. Ah, il se désunit complètement là en ce moment. Non, là, vraiment, c'est. Là, on a un mauvais Harold et avec un Américain qui a pris confiance. Ah oui, oui. Enfin, à qui Harold a donné confiance, ah, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de dire que l'Américain joue un peu comme il joue depuis le début, avec des points et des fautes, mais Harold lui a vraiment donné confiance. Elle l'a remis en selle. Hein. Allez, il faudrait s'il pouvait remonter dans ce jeu et gagner son service, ça serait quand même bien de forcer l'Américain. Voilà, très bien. Arriver à forcer l'Américain à servir pour le set, ça serait une bonne chose quand même. Ouais, de ne pas perdre ce set là, tout de suite, là, aussi facilement. Filé, premier service. Ouais, c'est bien joué, c'est bien attaqué là. 40 ans. Thank you.
Ah, c'est dommage, c'est dommage, elle est un peu trop près de la ligne, mais peut-être qu'il n'a pas besoin de jouer aussi près de la ligne. Là. Vraiment, il a beaucoup d'espace, c'était bien joué. Allez, il faut vite oublier ce set et ce mauvais passage, il se reprend tout de suite. Là, il faut vraiment qu'il ait une attitude. Là, il se plaint et tout, ça y est, il faut repartir, avoir une vraie attitude de combattant. Bon, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça, parce qu'il l'a naturellement, il l'a en lui. Mais là, il faut pas parler à l'arbitre, il faut pas qu'il se... Allez, c'est maintenant, hein, Olivier, que ça va se jouer. Là, hein. Ah ben là, franchement, il n'a plus le choix. Non, là, il faut un set pour essayer de faire la différence. Allez, il faut essayer de prendre le service tout de suite. Là. Pour... Voilà, très bien retourné. Alors, il faut dire que ce sont des balles neuves. Ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des balles neuves dans les changements. Quoi. Ils ne changent pas de balles, hein, en général. Donc ça peut jouer un rôle vraiment très important. Casa. Absolument que Harold se calme parce que là il est vraiment dans une mauvaise spirale et ça peut aller vite s'il se reprend pas tout de suite, surtout mentalement. Parce que là il s'énerve après le moindre détail et alors que l'Américain est vraiment reparti vraiment très très bien dans le match. L'Américain joue bien là, en ce moment et en plus donc. Voilà, allez, c'est comme ça qu'il faut jouer, il ne faut pas s'énerver, il faut jouer point par point, se remettre dedans. Il n'y a pas le feu, c'est 0-0. Non, il n'y a pas, pas feu. Là j'ai bien aimé son attitude là où il serre le poing. Il faut s'encourager plutôt que de se plaindre ou de se lamenter. Premier jeu, dernière manche. Il faut qu'il se reprenne, il faut qu'il se calme, il faut qu'il prenne du temps, il faut qu'il arrête de regarder à droite, à gauche, de parler à l'arbitre. Vraiment,
il a tout dans son jeu pour remporter ce match. Ouais. Il n'est pas inférieur à cet Américain, qui d'ailleurs a beaucoup de talent et beaucoup de qualité, mais qui quand même a beaucoup de hauts et de bas aussi depuis le début. Et c'est plutôt Harold qui le remet dans la partie. Quoi. Qui est Harold, hein, puisqu'il peut se le permettre, puisqu'il mène 1-0 au dernier set. Tout à fait, oui. C'est sûr que l'Américain est en confiance, là. Hein. Là, il est vraiment en confiance, il lâche tous ses coups. Bien servi, bien servi. Très bien servi. Ces services au corps sont très efficaces aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de faire plus. Il n'y a pas besoin de faire plus. Simplement, il a fait un bon slice. Il sort de son cours. Tranquillement, il joue dans l'espace. Ouais, c'est simplement, c'est facile à dire, hein, mais c'est simplement se concentrer sur ce qui s'est fait. Voilà, exactement. Et pas sur tous les aspects extérieurs, d'annonces, d'arbitres, etc. Voilà. C'est plus des aspects extérieurs parce qu'il sait faire beaucoup de choses. Il a un jeu très complet, il peut vraiment tout faire. Donc il faut qu'il se recentre sur lui et sur ce qu'il sait, comme vous dites, sur ce qu'il sait faire. Balle d'homme partout, toujours. Voilà. L'Américain peut quand même avoir du déchet, donc il faut qu'il joue simple, il n'a pas besoin de surjouer. Aujourd'hui, pour gagner ce match, il joue tranquillement avec ce qu'il sait faire et je pense que ça doit suffire. Là, il ne faut pas qu'il surjoue, qu'il force ses coups. La petite erreur de jeunesse qu'il a pu faire au second set, c'est à mon avis à un moment donné, il a joué un petit peu trop pour le public. Il a manqué un petit peu d'humilité, tout à fait, jouer simple, a essayé de jouer des balles entre les jambes, etc. Donc, c'est ce qu'on disait au début, il faut gérer tous les aspects. Voilà, vous voyez, il faut pas jouer. Là, il fait un retour qui est très moyen. Ben, l'Américain, il peut faire la faute aussi. Donc, au moins, déjà, la balle, elle est dans le terrain. Exactement. Voilà. De retour dans le terrain, deux fautes. Bon, c'est quand même le propre aussi du tennis à cet âge-là, hein. Il peut y avoir quand même beaucoup de hauts et de bas. Donc là maintenant, à ce moment-là du match, il ne faut pas se compliquer, hein. Il faut jouer juste et simple. Mettre les retours dans le terrain, voilà. Nouvelle faute de l'Américain dans ce jeu. Qui donne 3 balles de 2-1 et 3 balles de break. Hein. C'est quand même important ce qui est en train de se passer là parce que c'est 3 balles de break. Et ça c'est quand même intéressant pour Harold. C'était bien joué, il la prend un peu tard, il la laisse trop monter, non, il doit avancer un peu plus, mais à 40-0, c'est bien joué. Merci, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, merci.
Bien joué. Allez, encore une balle de break. Là, l'Américain a bien joué, on peut pas... Non, bien joué de la part d'Américain. On peut pas. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça, c'est vraiment très bien joué là, parce que il venait de perdre deux balles de break. Le troisième, eh ben, dès qu'il a eu l'occasion, il a pris l'initiative. Et là, on a retrouvé le Harold qui sait faire ses choix et qui est efficace. Ah, tout à fait, Dominique. Maintenant, je vais insister sur cette partie-là qui, de toute façon, lui servira tout au long de sa carrière. C'est-à-dire maintenant la gestion, savoir prendre du temps entre les points. Savoir respirer, ne pas surjouer pour le public. Filé, second service. Quinze trente. Un très bon retour, voilà, très bon retour de la part de l'Américain. Rien à dire. C'est plutôt les points précédents où on aurait pu. Il y a quelque chose à dire. C'est pareil, c'est encore de la mauvaise gestion
deux moments importants avec deux cadeaux sur le jeu. C'est ça surtout. C'est pas son retour là. C'est... Ah. Il n'arrive pas, on l'avait déjà vu un petit peu hier, à serrer le jeu au moment où il faut serrer le jeu. De partout, tout reste à faire. Ah, c'est dur ça, la balle elle est haute, l'Américain avait raté un peu sa frappe, mais elle fait une balle très haute. Au-dessus de l'épaule, en étant un mètre derrière la ligne. Il faut qu'il redescende un petit peu plus sur terre. Encore, il se précipite beaucoup trop là. C'est des points donnés en deux frappes de balle. Allez, il faut se reprendre là. Il faut arrêter ces coups chopés là qu'il fait là comme ça dès qu'il est un peu en déplacement. Il faut remettre une balle, forcer son adversaire à reculer, à pas rentrer dans le coup. Hein. Allez, hold. C'est les trois mêmes points. Il y a trop de points donnés. C'est les trois mêmes points. C'est-à-dire que c'est un point, une faute non provoquée en faisant un petit peu n'importe quoi sur la deuxième frappe de balle. Mmh. Il est plus, pour moi, il est plus du tout dans le match. Oui, alors qu'il mène 2-1, service à suivre. Et là, il est en train de donner deux jeux. Là, c'est... L'Américain est en confiance maintenant. J'ai envie de dire qu'il se met lui-même le handicap. Hein. Là, c'est pas. Il se met un handicap et surtout c'est qu'à partir de maintenant là, il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Tout on a mis dernier set. Bon, il n'y a pas de break. Hein. Sur les 10 premiers joueurs mondiaux actuels, 8 sont passés aux petits as. Les petits as, le tournoi qui découvre les stars de demain. Ne manquez pas les futurs Djokovic, Nadal ou Federer. Tournoi des petits as, dimanche, 18h, sur l'équipe 21. Allez, maintenant Olivier, là il faut. Ce jeu de service est très important. Bien joué. Allez, il faut le faire jouer cet Américain. Il faut le forcer à jouer là. Il ne faut pas lui donner. Il faut pas que les jeux défilent comme ça, comme ces deux derniers jeux là où ça va trop vite. Il faut le faire jouer. Il faut le forcer au moins à gagner les points et les jeux. Quoi, là, et pas lui donner. Bien joué. C'est très bien joué. Allez, 3 balles de 3 partout sur son service, Harold. Il ne faut pas se relâcher, pas parce qu'on mène 40-0. Allez.
Allez, il ne faut pas se relâcher. Il faut, même à 40-0, il faut essayer de gagner le point tout de suite. Il ne faut pas se dire j'ai 3 balles de jeu. Très bon retour réflexe de l'Américain là, qui est surprenant et qui conclut par une amortie et qui lui permet de revenir à 30-40 dans ce jeu. Filet, second service. Il coûte cher ce premier point là où il ne s'applique pas. Comme je disais, il faut faire les jeux. C'est pas parce qu'on mène 40-0 dès le premier point, parce qu'il coûte cher ce point. Un peu négligent et il se retrouve là avec la réussite de l'Américain, il se retrouve à 40 ans. Merci. Balle de 4-2 pour l'Américain hein, qui se retrouve avec une balle de 4-2 après avoir été mené 40-0 et sans faire grand chose. Mais oui, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est très bien joué. Il faut quand même être gonflé. Mais il est border, hein. C'est-à-dire que moi je vais pas lui enlever ce point-là parce que c'est extrêmement bien joué, mais je persiste à dire qu'il joue avec le feu à 40-0. Je pense qu'inconsciemment ou consciemment, oui, il pense qu'il a gagné le jeu. Et puis finalement, il se retrouve à devoir sauver une balle de break parce qu'il est négligent. Tout à fait. Il n'est pas assez rigoureux. Mais il a du cran quand même, hein, parce qu'il fallait aller la sauver, cette balle. Ouais. C'est très dur, ça. C'est vraiment très, très dur. Là. Il joue une balle descendante. En voulant jouer décroisé, là, c'est vraiment un coup, c'est un miracle presque de le jouer gagnant, on le gagne. Ouais, c'est un coup un peu impossible. Je le sais. Allez, c'est. C'est pas grave, il faut prendre le service de l'Américain tout de suite là. Je pense que Harold a cru qu'il avait gagné le jeu, il a cru qu'il avait gagné le jeu à 40-0 et comme je l'avais dit à ce moment-là, il faut faire le jeu dès le premier point. Et là il se retrouve vraiment le dos au mur maintenant avec 4-2 pour l'Américain, service l'Américain. Allez, il faut tout de suite réagir, c'est impératif. Ouh là là. Ah, il a de la chance, mais bon, c'est quand même bien battu. Oui, mais c'est très bien battu. C'est encore ce qui peut se passer à cet âge-là. Hein. Oui. Des points un peu gagnés d'avance presque là et dans la réalisation de mal finir. Donc, 15 ans. Ah, c'est bien servi. C'est vraiment bien servi. L'Américain joue bien là. Hein. Là et, parce que même le point d'avant, il est bien joué. Hein. Ah non, il faut plus donner ce genre de points, il faut plus donner là. Là, c'est pas le moment, hein. Il faut absolument le faire jouer, hein. Le forcer à aller gagner les points. Ah, c'est bien, vraiment c'est bien. Il a du cran hein, quand même, hein, parce que là, 4-2, 30-15 sur service américain, il n'a pas le droit à l'erreur. Hein, non, sur le tour, non, il faut ça, c'est bien joué.
c'est bien joué. Il faut du courage pour y aller là, hein, parce que là il lâche complètement son coup et... L'Américain Julien là c'est solide là, hein, parce que vraiment... Mais il peut dire merci à Harold. Ça, j'en demanderai pas quoi qu'il arrive à la fin du match. Non, mais là, je parle du point là, qui vient de se réaliser. Mais entre... c'est sûr que c'est Harold qui le remet dans le jeu. Ouais, et puis, il y a deux attitudes complètement différentes entre un Américain qui fait des fautes, fait des points, mais en tout cas, il y a une attitude exemplaire. Il y a un Harold qui est un peu plus sur ce match-là en représentation. Et donc, finalement, ça l'a tellement desservi que là, il a beaucoup, beaucoup de mal à jouer. Et il donne beaucoup trop de points. Oui, c'est tout à fait ça. Et là, et en plus, c'est une suite logique. L'Américain qui prend confiance, qui lâche ses coups. Donc là, là il n'a plus du tout le droit à l'erreur. Hein, maintenant, étant mené 5-2 au dernier set. Le meilleur joueur du tournoi. Et donc. Enfin, il n'a pas perdu encore. Non, dit qu'il avait perdu, mais bon. Effectivement, que c'est frustrant en tout cas de se retrouver dans cette situation alors qu'en plus il avait battu ce joueur la semaine dernière et ça aurait dû lui servir un peu de leçon aussi, hein, de perdre un set et. Très beau point, avec vraiment une réussite maximum de l'Américain. Très bien joué la part de l'Américain. Très bien joué, hein, parce que c'est un coup magnifique là. Hein. Très bon coup de défense, jeu de défense. Et... Là, l'Américain est en pleine confiance en ce moment. Et... Ça manque cruellement d'humilité et de construction. Ah oui, oui, parce que là, il ne peut pas revenir comme ça. Hein. Donc là, 3 balles de finale pour cet Américain qui au demeurant, n'aura pas volé son match parce qu'il a une attitude, comme vous l'avez dit, exemplaire. Et... voilà, belle victoire de cet Américain. Qu'a mérité, on ne peut pas dire qu'il ait volé sa victoire. Ah, non, pas du il tout. A été la chercher, il pas a été tout. Courageux, il a perdu le premier set, il était dominé. Il a une très bonne attitude pendant tout au long du match. Il était dominé dans tous les domaines et il a su renverser la situation et à prendre tout le jeu à son compte. Vraiment, c'est une remarquable victoire de cet Américain. Mais en tout cas, nous, on est quand même très frustrés parce que, comme vous l'avez dit, hein, Harold a vraiment des qualités pour remporter ce tournoi. Il l'a montré la semaine dernière. Il est certainement au-dessus du lot, même, je dirais, par son jeu. Et là, c'est quelque part, pas un non-match, mais vraiment un très, très mauvais match qu'il a fait, alors qu'il avait très bien commencé aujourd'hui. Oui, mais c'est surtout un mauvais match, je dirais pas dans sa technique ou dans ses schémas de jeu. C'est un match qui est vraiment pas bon au niveau de l'attitude. Il était pour moi beaucoup trop en représentation. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au public, etc., et finalement,
Ben finalement, oui, on peut être déçu. On peut être déçu parce qu'il avait toutes les armes pour aller jusqu'au bout du tournoi. Maintenant, ça fait partie de la formation. Et, ouais, voilà. Et dans les heures, voire les jours qui arrivent, ben, il aura le temps de faire des débriefings avec ses entraîneurs, avec Bruce Lio et Nicolas Job, son préparateur physique. Et vous ? Et puis moi aussi, j'en remettrai une petite couche, certainement, me connaissant. Enfin, on a quand même un joueur qui a de l'avenir et je veux dire, c'est il faut quand même être positif parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont perdu qui ont gagné à cet âge-là et qu'on n'a plus jamais revu. On en a eu même en France des vainqueurs de petits as et qui n'ont absolument pas fait une carrière. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut être très positif avec tout à fait. En fait, moi, là, mes sentiments, c'est quand même le tennis senior. Mes sentiments juste après le match, c'est vraiment de la déception. Je suis même un petit peu en colère vis-à-vis d'Harold. Maintenant, par rapport à tous les progrès qu'il a pu faire avec Bruce et avec Nico, moi je suis positif, mais on se doit quand même d'être frustré après un match pareil parce que franchement il y avait la place. Ah oui, largement. Olivier, merci en tout cas d'avoir commenté avec moi ces deux rencontres. On croyait aller au bout, on y croyait vraiment. Et écoutez, maintenant il va continuer à travailler hein, parce bien que sûr. Le maître mot c'est le travail. Bien sûr. Merci, et à très merci bientôt. Merci Dominique. Tournoi des Petits As, dimanche, 18h, sur l'équipe 21.